Et on se retrouve sur Civilization 6 avec notre map Archipel où les ressources c'est parfois galère. Bonsoir les Nériens, bonsoir Cro-Magnon. Bonsoir, bonsoir. Tecamon. Bonsoir. Et on reprend le 7ème épisode, c'est notre petite soirée heureuse d'être ensemble d'ailleurs. Et moi je passe le tour, mais non. Non. Presque. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que je décide? Bah oui, fondons une colonie. Voilà. Naissance de Sarpsborg. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour l'instant? Un bâtisseur. Ok. Ce qui me fait penser que ça manque de... Oui! Bah écoute... Tac, quand les gens ils finissent leur tour, ça... J'ai tellement d'unités, tu sais, des fois, c'est tellement long. Je suis sur les côtes du Zanzibar. Il faut avoir moins d'unités. Ah, je peux pas m'en empêcher de ce côté-là. Qui a fait sa merveille? Ah, j'ai fini le Taj Mahal, dis donc. J'en fais beaucoup de merveilles dans cette série. Hein. Allez, on va commencer par un barrage hydroélectrique pour la pollution. Ça serait pas mal. Je vais regarder ce que je peux faire. Là, il y a des choses, il y a du choix. Convoi de ravitaillement, tiens, je me souvenais pas de ça. Et ça remplace le médecin, d'accord. Pas de pétrole, pas d'avion, hein, crotte. Et ouais. C'est dur la vie. Ça. Il est pas beau quand il s'énerve les spingouins. Ah, c'est une série, c'est une série. Bah écoute. Là, il y a un volcan qui explose. Non. Tellement peu de pétrole. Donc le Taj Mahal, c'est fait. En victoire mondiale, comment je suis ? Oh.
Ouais, on est à la traîne. Hein. On a un gros problème là. L'espagnol se me dénonce. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est pas très gentil. J'ai toujours considéré que le remplacement du cheval par le moteur à explosion marquait une étape. Je suis d'accord, mais il faut du pétrole. Je fais des trouvailles, mais il faut du pétrole. Tac. Tac. Et on passe le tour, oui! Oh putain, le prochain marchand illustre là que tu vas avoir, Tech. J'aimerais bien. Hein. Tu rigoles? Bah, absorbe la cité-état de votre dans votre empire, loyauté plus 10 par tour, c'est pas mal quand même. Ah ouais? Tu vas pouvoir choper une cité-état. Ah ouais? Sans que t'aies de guerre ni quoi que ni caisse, tu vois, ni de déclaration machin là. Là. Et là, c'est dommage que t'aies pas repoussé parce que je pense que t'aurais préféré le suivant. Non, je pense pas. Attends. Bah, plus 3 de pétrole par tour. Ah! J'allais pas lui dire. Chier. Évidemment, qui c'est qui va looter ça? Ah, alors. Je sais pas, hein, parce que maintenant il y a un Norvégien barbu là qui me demande d'annoncer au monde entier que nous entretenons des liens d'amitié. Mais je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Allez. Bon, allez. Allez. Mais t'as pas intérêt à déclarer la guerre à l'Inérian parce que je te suis pas. Hein. Mais je vais jamais déclarer la guerre. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, dans 4 tours, je trouve l'uranium. Nickel. Ouais, bah écoute, Mogadiscio, c'est qui ça? Ah, je suis commerce à fond avec toi, Cro. Donc je suis à 2 espions et je vois pas le chiffre. On n'a plus l'icône espion. Pourquoi? Ou ça a été déplacé sur la map? Je sais pas de quoi tu parles. La bonne solution. Je voudrais leur dire cet état qui aurait du pétrole, tu vois, j'en suis rendu là. Ah là 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 là, t'en es rendu là, c'est triste. Ouais. Non, ça le pète, c'est pas intéressant.
personne a de pétrole ici. Si, si. Du salpêtre, du charbon. De toute façon, la technologie d'après, ce sera l'aluminium, on est d'accord. Après le pétrole ? Ouais, ou les deux sont complémentaires. Je crois que les deux sont complémentaires, mince. Ils sont plutôt complémentaires, ouais. Ouais. Bon, bah tant pis. Voilà, et je commence à avoir de l'aluminium. Ouais. Ça c'est ok, on enlève. Tempête en Espagne, inondation en Espagne, ils ont tout dans la tronche, c'est bien. Je peux faire un achat à la fois. Cro, tu as fini la construction du Big Ben. Oh. Ouais. Il les enchaîne, Cro. J'ai 9500 pièces d'or, faudrait peut-être que j'achète des trucs. Oh. Tiens, c'est intéressant. J'ai combien en fois? Ça c'est bien. Ok. Ça c'est bon. Même pas possible. Non mais, hé, Cro. Quoi? Moi j'ai une guerre à mener. Oh là là, ça y est. Un barbare. Et ouf, le temps de réponse, par contre, il y a un lag là. Ah, j'avais pas vu que Tech il avait une ville qui s'appelait Gel-Gel. Mais alors, la question c'est, est-ce qu'il fait froid là-bas? Ça Gel-Gel? Oh punaise, il faut que j'achète un terrain, c'est pas possible.
Allez, c'est bon. Oh, il fuit. Ah cool, je sais piquer du pognon. Allez, accepte la mission. Samarcande. Prends le contrôle là-bas. Je colonise comme je peux. Aïe. Je lui ai fait aucun dégât à la caravelle. Mon corsaire ne fait aucun dégât à une caravelle, non, c'est une blague. Punaise. Pourquoi t'es tout le temps agressif comme ça? Mais non, je défends mes côtes. Ouais, ouais. Ça. Yeah, ça, une bonne chose de faite. Alors. Par contre, il prend... on n'a plus d'unité de défense, d'accord. Pour information, oui. Je ne suis plus en alliance avec les Mayas, et si jamais tu leur déclares la guerre, oui, j'accepte. C'est vrai? Oui, il n'y aura pas de représailles. Mm-hmm. Ils ont déclaré la guerre à une cité-état qui est... Ah, tu vois que je t'ai dit. Qui est sous ta protection, donc je considère... J'ai perdu une cité-état, j'ai perdu mon... Pourquoi mon diplomate est plus dans la cité-état? Merde, j'ai pas fait gaffe. Ouais, en tout cas, ils ont déclaré la guerre à la Venta, Jack. Ok. Et vu que t'en es le suzerain, je considère que t'as un motif légitime. Je te remercie pour le casus. Ah ouais, t'as mis 13 émissaires à Venise, quoi. Je crois que tu la veux vraiment, Venise. Hein. Là, tu parles à l'inéria parce que ça me dit rien. Ah bah ouais, 13 émissaires. À quoi ça te sert d'en mettre 13? En fait, j'ai... Comment s'appelle ça déjà? J'ai un héros, Imiko, je crois, un truc genre là, qui fait qu'à chaque fois que je claque son bonus dans une cité-état dont je suis déjà le suzerain, ça me file un bonus deux fois en plus. Du coup, bah, je monte le truc dedans. D'accord. Et puis, bah, ça m'assure que les gens... Bah, me le pique pas. Bah, tu me diras, Tekamo, il a bien mis 12 émissaires à Samarcande. Oui. Parce que c'est une guerre avec l'espagnol à distance. Bon, vous battez pour les... Bah, ah ouais, 15 à Kaokia, non mais lol quoi. Bah, allô les gars. C'est le même principe, ils sont juste à côté. Ouais. Putain, toutes les cités-états marchandes quoi. Mais j'ai de la marge, hein, il m'en reste 6. Ah ouais, non mais... Je peux encore remplacer 6 de cité. Non, laissez pas aux autres, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Ah, pas de problème. Du coup, je me demandais s'il y a du pétrole chez elle, mais je suis même pas sûr. Est-ce que ça vaut le coup de se fatiguer contre elle? Qu'est-ce qu'il me reste, moi? Non, elle a pas de pétrole.
Ah, Mexico a été vaincu, elle devait être à Mexico. Je me souviens plus. Ah merde, mais sinon ça se fait péter. Bah ouais. Ah, fait chier. Je sais plus ce qu'elle donnait, mais... Bah, Mexico c'était une prod. J'ai quelques émissaires, un peu chiant. Tu sais qui l'a pété? Non, j'ai juste vu marquer Mexico a été vaincu. Non, c'était mon... C'était pas une guerre, c'était mon marchand qui l'a réintégré dans mon empire propre. Elle est en plein dans Ah mon ouais, île. donc Comme j'ai pas ok. trouvé de pétrole, j'ai dit bon bah on va faire un truc propre. Voilà. Ouais, voilà. Puis tu t'es dit, je vais pas regarder si des potes sont Ah non, suzerains ou je me des trucs suis... comme ça, hein, pas du tout, Non, quoi. non, Ok. c'est un truc géographique là, c'est vraiment dans mon territoire. Ça, je pense que vous l'auriez fait vous aussi. Le Pucro, tu lui as dit pour choper le bon marchand qu'il fallait, etc. Tu l'as bien Non, fait mais tu vois, des voilà. Non, petites mais c'est arrières. Là, C'est comment il m'a pas fait une tombé riche dans l'oreille cool. d'une Ah, mais gourde. il m'a fait une riche cool, quoi. Il m'a fait une riche cool. Ah, bah, Arrête, arrête, arrête. voilà comment il te récompense. C'est pas comme si Mexico était chez toi. Hein. Honnêtement, tu aurais pu le faire. Non, c'est vrai. C'est pas comme si j'étais Je... suzerain et que j'avais mis ma diplomate et tout. Enfin, Ah, voilà, c'est bien, c'est ouais. Bah, pas. j'aurais pu prendre Gaguana, quoi, ça aurait été mieux. Ça aurait été pas mal. En plein milieu de ton empire. Paf. Bon, par contre, toujours pas de pétrole. C'est dommage, j'en avais plein moi, mais là, je sais pas si j'ai envie de le partager. Oui, mon ami. C'est énorme, ça. Ouais, on me le dit souvent. Attends, c'est que des terres inondables. Ah, mais c'est moi qui ai une ville qui s'appelle Jeljel. J'avais Bah peur. oui, bah oui, je te Mais l'ai je dit, pense. je t'ai demandé s'il faisait froid là-bas, mais tu m'as pas répondu. Mais je pensais que tu parlais à Tech, en fait, Mais je me suis Mais dit moi ça te aussi, fait hein. pas Tu rire, parlais à moi. quoi. Je me suis dit ça te fait pas rire, donc bon, j'insiste pas. J'avais mal compris, hein. Donc, oui. Non, Tech, il a assez de choses, déjà qu'il est trop occupé à piquer les cités-états, et etc. Donc. Et donc, oui. Je pense qu'il prépare sa future guerre, à mon avis. Et donc lui, vu la toundra qui est à côté, il fait froid. Bah, quand tu vois que Tech a Du coup, plus ça a gèle, plus quoi, ok. quand tu vois qu'il a plus de puissance militaire que moi, quelque chose qui cherche à se venger, quoi. Je vais peut-être devoir frapper par anticipation. Moi, je pense que, ouais. Moi, je pense que, après, bon, est-ce qu'il faut lui dire que t'as l'uranium déjà? Chut, Ah, merde. Je fais comment pour lui mettre un missile après? T'inquiète, il écoute pas. Il est vieux et Non, fatigué, de toute façon. il paraît, il Il est paraît. concentré. Ah, et sale bête. Tant Cardiff fait de quelle couleur? Ah, c'est un orange. Philippe 2, ok. Et sinon, comment se porte la bonne laitière aux grosses mamelles? Mais très bien, étrangement bien. Elle gère bien. On ne l'embête pas. Je n'ai aucun motif en fait pour attaquer Dame Sissieux, je suis deg. Dans le sens où j'ai aucun intérêt stratégique. Il n'y a pas de pétrole chez elle. Ouais, mais elle a peut-être des idées. Ah, je le trouve obsédé par le pétrole, je te dis, ça, il prépare sa guerre. Il sait que j'ai plein de pétrole là. Arrêtez d'être paranoïaque comme ça, c'est un développement technologique normal. T'as aucunement besoin de pétrole pour ton développement technologique. Ah si, pour avoir des artilleries à longue distance, des C'est navires de pas pointe. du développement technologique. Comme diraient les Américains, la guerre nous a fait booster les mecs. Hein. Ah ouais, donc on s'entend bien, etc. Mais elle veut pas être pote avec. Ok, d'accord. Ok. Gengis Khan non plus, mais personne qui va être pote avec moi, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a encore plein de zones à explorer, j'ai pas fait ce côté-là. Il va revoir ça, les copains. Je sais pas, moi tu m'as fait aucune demande, donc. Bah si. Tu viens de le faire à l'instant. Ah ouais, je l'ai fait. Voilà. Juste après que je l'ai dit. Mais non, mais il me semblait déjà que je te l'avais envoyé, ou alors j'avais fait la demande d'ambassade déjà.
C'est quoi ça? Des fanatiques en masse chez Dame Sissi? L'Espagne déclare son amitié avec les Dames Sissi, hein. Oh là, ça sent l'embrouille, ça sent l'embrouille. Non, il est pas ami avec Sissi quand même. Ami proclamé. Si, ami proclamé. Ah oui, donc je peux plus déclarer la guerre à Sissi alors. Ami proclamé, tu peux. Il faut juste qu'il soit pas allié. Ah, il va être temps alors. Les deux ensemble, ça va être terrible après. Ah ouais, mais fais gaffe, parce que si tu déclares la guerre à Sissieux, t'es niveau en guerre contre les Mayas, hein. Contre l'Indonésie, hein. Bah non justement, puisque... Bah si, vous êtes ami proclamé. Oui, mais ami proclamé, c'est pas allié. Dis donc qu'il m'a fait du RP, c'est vrai qu'il y a une agression sur une cité-état. Et hop, un petit puits de pétrole. Peut-être 120 pièces d'or par tour, c'est beau ça. C'est beau, ça me fait plaisir aux yeux. Ça. C'est un peu léger pour l'instant. Et hop, un deuxième puits de pétrole. Je cherche un gouverneur intéressant en plus ou pas. On va monter comme ça. Ah, nouvelle carte Apchonde en armée. Science plus 2 pour école militaire, complexe portuaire. Ouf. Ah ouais, Lynn, il est suzerain de 7 cités-états quand même. Ouais. Et encore, j'ai 5 émissaires en stock. Il y a tricherie, moi je trouve, il y a tricherie. On va comparer. Ouais, je pense aussi. Oh, t'es tellement loin, l'Inérian, encore, incontestablement. Encore. En tout. Ah non, en victoire diplomatique, Roi est devant. C'est vrai. Donc en fait, ta façon de me déclarer l'amitié, Cro, c'est de me dire que je ne suis pas insupportable. Oui, bah pourquoi pas. Aïe. Et là, il n'y a pas de pétrole, là. Non, mais... Scousie, mais... Franchement, cet épisode, on va l'appeler l'obsession du pétrole. Ah ouais, je pense, hein. C'est une calamité. C'est normal, il n'a pas d'idée, il faut du pétrole. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et de toute façon, on est déjà à la fin de l'épisode. Non, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Eh bien, écoutez, on va chercher des idées. Ce sera la meilleure solution. Merci à vous, les gars. Ce café, ouais. Ouais, tiens. Allez, au prochain. Salut, les potos. Allez, salut, hein.